Il était une fois un petit bébé né dans de la soie. Une fillette qui a grandi dans le confort matériel et dans un beau pays, la Suisse. Dans le château de son père, elle aimait beaucoup plus jouer au chevalier qu'à la princesse et faire des trous dans le jardin pour chercher des trésors. Cette petite fille, vous l'avez compris, c'est moi. En grandissant, j'ai voulu sortir de mon palais et de ma zone de confort pour aller voir ce qui se passait dehors. Je me sentais différente parce que j'avais reçu le plus précieux des cadeaux, un don des anges, le don de la joie de vivre. J'aimais absolument tout. J'aimais me rouler dans le foin à la ferme de mes voisins ou conduire le tracteur de Pépé Léon. J'aimais découvrir les autres et le monde. Je ne voyais pas de différence entre les gens. Tout le monde était de ma famille. Alors, secrètement, au fond de moi, j'ai décidé que j'allais partager avec d'autres ce cadeau des dieux, la joie. J'ai fait des études en sciences politiques et en journalisme en Suisse. Puis j'ai été reporter et délégué humanitaire pour la Croix-Rouge internationale dans des pays en guerre, en Iran, en Irak, en Éthiopie et au Kosovo. De la souffrance, j'en ai vu beaucoup. Des morts et des blessés aussi. Alors, ne me dites pas que je suis naïve. J'ai ramassé des restes humains décomposés sur un champ de mine, j'ai visité des prisonniers de guerre et côtoyé des familles désespérées, séparées par les conflits. J'ai visité des hôpitaux saturés de blessés et de cris. Et la souffrance personnelle, je sais ce que c'est aussi. Mais j'ai toujours pris les obstacles pour des marchepieds vers le ciel. Les épreuves font de nous des boissons gazeuses. Quand on est secoué, ça dégaze. On se libère des peurs, des croyances et de tout ce qu'on a appris d'inutile. C'est-à-dire tout ce qui ne nous apprend pas à être heureux. Des années plus tard, j'ai participé à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence. 150 000 km à travers la planète, 75 pays traversés en 3 mois et des centaines d'articles et de vidéos publiés à travers le monde. Pendant des années, je me suis engagée envers et contre tout pour un journalisme indépendant, positif et inspirant. Je veux mettre mon métier au service de la beauté et du meilleur de l'homme pour redevenir souverain. Souverain par la joie. La joie a autant de valeur qu'un sac de riz ou de farine distribuée par les humanitaires. Un peu d'amour, ça reste à jamais gravé dans la mémoire de ceux qui le reçoivent. Le riz, lui, est digéré en 2 heures à peine. J'ai réalisé qu'il devenait important pour moi que les gens qui croiseraient ma route puissent vibrer de l'énergie de l'enthousiasme et se reconnaître, non pas par leur naissance, mais par leur essence. Un matin, j'ai eu une idée. Rassembler mes expériences, 25 ans de journalisme, mes ressources, mes économies et mon regard ouvert sur le monde pour vivre mon rêve. Être une journaliste nomade et partager bénévolement la joie sous la forme de reportages et rendre service en chemin. Mon terrain serait l'Europe et mes outils, une caméra, un micro, un stylo et des crayons à dessin. Ma monture serait un bon vieux Fiat Ducato Imer de 1993. Alors voilà, je vous ai fait un petit tour de ma maison pendant une année. Qui va m'accompagner jusqu'à Noël. Grâce à un financement participatif et l'aide de ma partenaire de projet Sachine Siro, nous avons constitué une cagnotte de la joie pour donner des coups de pouce en chemin et boucler mon tour de l'Europe en un an. J'ai aussi décidé de proposer en route des ateliers de fabrication de lampes solaires.
des petits pots de soleil à offrir à ceux qui pourraient avoir besoin de réconfort ou à des porteurs de lumière. Je les ai appelés les nominés de la joie, ceux qui ont l'air un peu plus vivants que les autres. En janvier 2018, je suis partie de mon lieu d'origine, à Gier, en Suisse, sous des troncs d'eau avec mon chien Ulysse. J'ai fait une première halte dans un EMS au-dessus de Vevey, où j'ai rencontré notre première nominée de la joie, une art-thérapeute extraordinaire, une artiste chanteuse et véritable bulle de champagne. C'est Marie Méliorette. On dit que sur son passage, les résidents n'arrêtent pas de sourire. Hommage à ces anciens que la joie illumine encore, alors que nos sociétés occidentales les rangent au placard, comme un vieux balai dont on n'a plus besoin. Tout me fait plaisir. Mais pas avec tout le monde, voilà, c'est ça. Elle est colline. J'ai cru que c'était une vraie. Ah là 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 là. Pour moi, tout est une célébration. Même ce qui semble être terrible ou difficile, c'est aussi une grâce pour pouvoir me déployer. Ensuite, j'ai fait escale à Damanhour, un lieu irréel entre Milan et Turin. 9 temples dédiés à toutes les spiritualités du monde, construits sous terre par une poignée d'idéalistes et de visionnaires. La bouche ouverte, j'ai traversé les salles des miroirs, de l'eau, de la terre, des métaux, des sphères, puis le labyrinthe et le temple bleu. En 2005, le Global Human Settlements Forum des Nations Unies a accordé à Damanhour une reconnaissance en tant que modèle de société durable. Puis le GPS de la joie m'a dirigée vers la Sardaigne, où j'ai donné un atelier de lampes solaires à des personnes atteintes de maladies chroniques. J'ai rencontré deux nouveaux nominés de la joie, le professeur Jean-Philippe Assal et le docteur Carboni, qui ont consacré leur vie à replacer l'humain au cœur de l'encadrement thérapeutique par le théâtre et l'empathie. Et sur la route, quand il m'arrive un pépin, comme lorsque je me suis encastrée dans une ruelle étroitissime à Cagliari, ou quand une pompe à essence ne fonctionne pas, partout, je peux compter sur la solidarité des gens. Alors c'est Gentissart, d'ici présent, on va chercher deux... Oui, on va chercher et fais noir. On était chercher deux billets. J'ai emmené une journée à bord de Bigoudi une femme qui avait reçu deux greffes d'un jeune homme décédé et qui rêvait de retourner à la mer depuis son opération. Et cette journée est une de quelles journées qui mi fa capire che davvero si può vivere per la Sandra, che è una donna adulta, in crescita, in cambiamento, e anche per quel giovane ragazzo che forse non ha mai visto il mare. E quindi oggi siamo al mare. J'ai continué ma route vers la Corse, j'ai rencontré Paul, un monsieur encore en colère et dans de grandes souffrances depuis 17 ans, parce que sa femme et son bébé sont morts à l'hôpital, faute d'assistance. Le médecin n'avait pas jugé utile de se déplacer. Alors, après une bonne fondue au fromage, je lui ai donné une petite lampe solaire pour l'aider à pardonner. Pardonner, ce n'est pas cautionner, c'est un cadeau à faire à soi-même. C'est retirer tout pouvoir aux agresseurs
de nous faire encore du mal. Paul a pleuré pour la première fois depuis le drame. Quand le chagrin et l'attachement à nos histoires passées se libèrent, l'homme peut retrouver son royaume. Ensuite, j'ai traversé l'école, le froid et la neige, évité de justesse de finir en accordéon au fond d'un ravin, pour arriver dans la région de Bordeaux, où j'ai offert une lampe solaire à un autre géant de la tendresse. Il crée des fées avec des herbettes. C'est François Maurice. Et pour moi, la joie, on ne peut pas le garder pour soi-même. On est très frustré quand il y a quelque chose d'exceptionnel. On est dans le partage. On est dans le partage, qu'on donne la vie, qu'on fait un enfant. C'est un partage exceptionnel avec la planète. On peut dire il est perché. C'est pas grave. Le on dit, c'est pas grave. Moi, je sais que ce qui est au fond de moi-même, c'est pur. Et il faut que ce soit partagé et que ce soit vrai. Parce qu'on n'est que de passage. Pour moi, c'est ça la joie. J'aime cette dimension où on peut célébrer la joie, célébrer la vie sans s'enfermer dans des systèmes de croyances, des dogmes, des pensées, une pensée limitative, tu vois, dans un enseignement. Alors voilà, ça doit être comme ça, la joie elle est comme ça, ou la façon de s'éveiller à la conscience c'est comme ça, ou ça passe par ce chemin. Et je trouve que ça fait du bien d'être dans une liberté totale de référentiel. Après une hâte éphémère dans la cour d'un château, j'ai rencontré Charles-Édouard Oxenelder, un jeune surdoué et visionnaire qui s'est battu pour promouvoir une agriculture maraîchère de conscience avec la ferme de la glutamine. Il m'a dit combien la joie et le rire des enfants lui avaient sauvé la vie après une tentative de suicide. J'étais effectivement en hôpital psychiatrique, en circuit fermé, donc derrière des baies vitrées où le personnel soignant t'observe. Et j'avais la possibilité de sortir dans une petite cour vitrée de 100 mètres carrés, où je faisais le tour toute la journée. Et un après-midi, effectivement, j'ai entendu des enfants crier. Mais c'était pas des cris normaux, c'était des cris de joie. Et là, pour la première fois, j'ai en fait réalisé que j'ai pas le droit de partir sans avoir accompagné des enfants à leur tour à pousser des projets vertueux. Charles-Édouard s'est tué accidentellement en voiture en juin 2019. Je retiendrai de notre brève rencontre qu'il ne faut jamais retenir un éclat de rire. Qui sait, peut-être que derrière des volets clos, quelqu'un comme Charles les attend secrètement pour retrouver le goût de vivre. À Marseille, à la fin d'une de mes conférences sur mon aventure, une participante est venue me parler de Koum Diaz. Ce jeune père de famille a traversé la France pour serrer les passants dans ses bras. Et Marie Milloret, qui m'a rejoint pour quelques jours, s'est aussi lancée dans l'aventure des câlins gratuits. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez à nous très bien léché. Open my eyes and I wonder every morning what life will offer me along the road. How many sharings, what life will offer me along the road. How many sharings, what life will offer me along the road. How many sharings, 'cause I wanna feel joy with everyone and everywhere. I'm gonna leave joy for the planet that I care. 'Cause I wanna feel joy with everyone and everywhere. I'm gonna leave joy for the planet that I care. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da.
matin, dans un port ostréicole, dans le bassin d'Arcachon, ma route a croisé celle d'un Superman retraité qui ramassait des coquilles d'huîtres pour boucher ses nids de poules. Il m'a dit qu'il voulait traverser l'Atlantique dans un tonneau et se déplacer à la seule force des alizés et des courants marins. Un rêve de gosse, après avoir lu Naufragé volontaire du navigateur Alain Bombard. Alors j'ai sorti ma caméra et j'ai réalisé une vidéo qui l'a aidé à trouver des sponsors. Quand j'aurai besoin d'aller pêcher, d'abord j'ai un hublot sous-marin pour être sûr que je ne dois pas me retrouver face à mettons, un requin marteau. Et là, j'ai des mains courantes sur lesquelles je pourrais installer mon panneau solaire ou bien je pourrais descendre ou comme ça je peux me mettre à l'eau et remonter facilement. Jean-Jacques Savin s'est jeté à l'eau en décembre 2019 au large des Canaries et il a réussi son pari en rejoignant les Caraïbes 127 jours plus tard. Ensuite, Ulysse, Bigoudi et moi, on est partis pour la Bretagne. Par hasard, j'avais garé mon bus devant la maison d'un célèbre illustrateur dont beaucoup d'amis ont été assassinés à la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 2015. Malgré cela, Thierry Garance n'a jamais voulu se venger en croquant les coupables avec des croquis assassins. Il a préféré faire des dessins sur la réconciliation et la paix. Il a fait le choix de la confiance et de la beauté au-delà des pièges que nous tendent les porteurs de haine. Demander à l'ego de suivre la boussole de la conscience est le défi de toute une vie. Tu vois ce dessin de Malo qui il l'a fait, il va avoir 9 ans. Qui est tout cet amour qui ressort de tout ce qu'on peut prendre dans la tête, des marques qu'ils peuvent laisser, et transformer ces marques en quelque chose de beau, de pas triste, et de voilà, je trouve que c'est juste du bonheur, quoi, ce dessin. Ma joyeuse caravane est montée vers le nord. À Amsterdam, j'ai rencontré un artiste extraordinaire, un musicien, sur les canaux de la ville. Depuis 30 ans, par tous les temps et tous les jours, Renier Sipschkens jette sa petite coquille de bois sur l'eau pour jouer des sérénades au badaud. Listen to the coffee streaming in my house. And I'm so comfortable to introduce you in the boatman's day. Today I'm looking for beautiful moments. Moments to share with people I don't know and never met. So, what I do, I just put my instruments into my boat. I'm going today to Amsterdam. I put everything into the canal and let's see what's happening. On dit qu'entre un père et un fils, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Ce n'est pas toujours vrai. Après les sérénades de Régnier, j'ai plongé dans les enfers du heavy metal où Sibé et son fils jouent de la basse à décoiffer son public comme lui-même. Je tenais à me débarrasser de mes vilains jugements, accrochés à mon esprit comme des algues à une hélice de bateau. C'était gagné. Je n'y ai rencontré que des agneaux qui jouaient au loup.
tard, j'ai rencontré Nikki, une maman d'un garçon de 11 ans, Nick. Nikki souffrait d'un cancer très grave. J'ai été la chercher à l'hôpital pour lui offrir une journée à bord de Bigoudi avec son fils. Ensemble, nous avons réalisé une vidéo pour lui et pour tous ceux qui hésitent à vivre leur vérité. Nikki s'adresse aussi à ceux qui aimeraient se soigner autrement, mais qui se font imposer des traitements qu'ils ne veulent pas, qui les tuent même parfois, parce que ce sont les seuls qui sont remboursés par les assurances maladie. C'est un témoignage bouleversant de vérité, sa vérité. Elle explique combien il est important d'être fidèle à soi-même, de ne pas se laisser influencer par les autres ou hypnotiser par certains médecins qui ne vous prédisent plus que quelques mois à vivre. I feel that connection is lost in our society, and it's actually the core of a lot of suffering and a lot of things going wrong. But I would like to approach it in a positive way, because my passion is clothes. My passion is to see the beauty in people and to bring this out in a positive way, and for people not to be hypnotized by all these images outside of us that are telling us how to be, how to feel, how to become like a robot, like sheeple. Your soul is the most beautiful thing you have. Your heart is the most beautiful thing you have. Your life story is what you are. Even the worst things of your life can bring beautiful moments like I'm experiencing now. My son, I filled him with love from since I know he's inside me. As much love as I can have, and I tell him, be yourself, follow your heart, and be authentic. And I'm so happy because he's singing, he's dancing, he's following his heart, and he's strong, but in a soft way. And he expresses himself, and he doesn't care. And he's so wise, he's more wise than me. I'm gonna write a book. It's in my heart for a long time, and it will be called The Lie. The lie that we are told, the lie that we live, and hopefully the lie that we die without. What lies were told to you? I'm not worthy to be loved. I'm not worthy to be safe. I'm not worthy to be able to have success in life. I'm not worthy to have a partner. I'm not worthy for anything. But that you are too sensitive. This has always been told. You are so sensitive. Don't be so sensitive. Sensitive is my superpower. But there is only one way to live, and that's to be yourself. You cannot live your life being someone else. Always this comparing, it's making people so unhappy and forget how beautiful they are. Who says what is beauty? Who knows what is beauty? You know what is beauty, I know what is beauty. And I hope to give this truth to my son so he doesn't have to suffer, so he knows the truth. Let me live, let me be with my friends, and also my friends, I would like to tell them, forget about your job, forget all about your appointment, just come and celebrate life with me. That's it. Malgré les circonstances, une joie rayonnante et fragile était présente entre nous. Une joie discrète, sans maquillage. Juste vrai, authentique et dans l'acceptation du destin de chacun. Nous avons continué à nous écrire presque quotidiennement. Puis, je l'ai revue une dernière fois en janvier 2020. Elle était allongée dans un lit médicalisé chez elle. Nikki avait quitté l'hôpital pour mourir à la maison, aux côtés de celui qu'elle aimait le plus au monde, son fils, Nick. Ils avaient encore eu le temps d'exaucer une liste de vœux avec le soutien de leurs amis. Ils ont même enregistré une chanson dans un studio professionnel. 1, 2, 3, 4, 1. That ever's on the sky, it's burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. So when I unshook the pen, I can find.
Le 3 mars 2020, elle s'est éteinte paisiblement quelques jours avant le confinement. Elle avait tenu à organiser ses funérailles elle-même, avec pour seule consigne, fêter son départ en couleur et dans la joie. Après les Pays-Bas, j'ai traversé le Danemark. C'est là que mon cher Ulysse a décidé de tirer sa révérence. Très âgé, son cœur s'est arrêté de battre. C'était le bon moment pour lui. J'ai beaucoup pleuré, mais tout au fond de moi, ma joie ne m'a jamais quittée. La gratitude d'avoir partagé ma vie avec lui était et restera plus grande que ma peine. Après, il y a eu la Norvège, la Suède et la Finlande. Ah, la Finlande, ces lacs sont comme des miroirs. Sa nature est si sauvage qu'elle nous donne un avant-goût du paradis. Et comme toujours, le hasard m'a mis sur la route d'un événement plutôt insolite. Les championnats du monde de lancer de bottes. Taille 43 pour les hommes et 38 pour les femmes. Une équipe de participants s'est même déplacée depuis la Nouvelle-Zélande. Le héros masculin du jour a lancé sa botte à 58 mètres, tandis que du côté des femmes, la lauréate a fait décoller sa chaussure à 46 mètres. J'ai savouré la joie par l'humour et la simplicité et l'autodérision. Plus loin sur la route, je me suis arrêtée en forêt pour visiter une exposition d'œuvres artistiques. À l'accueil, j'ai croisé le regard d'une dame chez qui j'ai ressenti une grande tristesse. Elle était d'origine kazakh et m'a expliqué qu'elle vivait avec un mari dépressif depuis 9 ans. Il était devenu aveugle et partiellement paralysé après avoir bu de la vodka trafiquée au méthanol. Je les ai invités pour un festin à bord de Bigoudi. 2 heures de joie et de lumière dans la nuit de cette famille, c'est peu, mais c'est peut-être mieux que rien. Sur les conseils d'un ami finlandais, j'ai rencontré Ukko et Ville, un jeune paraplégique et un vieux chaman. Ville m'a raconté qu'il avait sauté d'une falaise à l'âge de 16 ans. Il ne voulait plus vivre sur cette planète, qu'il trouvait horrible. Il m'a expliqué qu'il avait perdu ses jambes, mais qu'il avait trouvé sa joie. Une joie au-delà de sa condition physique. Nonetheless, I had a very deep gratitude that I was alive. It was a very, very, very deep, strong feeling. And with this feeling, I then started to inquire how is life when you can't move your feet. The best thing I learned from that is that it opened my eyes to think like what's really important in life. Ukko, lui, guérit les inconscients collectifs de la planète en libérant les mémoires de souffrance de la Deuxième Guerre mondiale. Avec des bandes de gaz de 1940, il a fait des mouchoirs dans lesquels il a fait pleurer les traumatisés de guerre. J'ai repris le volant pour les Pays-Baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. En Pologne, j'ai été touchée par le respect des anciens. Les cimetières sont aussi fleuris que les prairies au printemps. Ici, les morts exultent. La joie, c'est aussi de rendre hommage à ses ancêtres. Thank you.
En chemin, la vie m'a réservé une sacrée surprise. La passagère d'un autocar qui m'avait doublé à la sortie de Varsovie avait pris contact avec moi pour m'inviter à déjeuner dans la maison de vacances de ses parents. C'est là que j'ai rencontré un petit chien qui avait été abandonné. J'ai craqué. Et hop, nous sommes repartis ensemble. Je l'ai appelé Lovski, Love pour l'amour, Ski pour la Pologne ou pour les montagnes suisses. En m'arrêtant chez un cacaillier, j'ai appris l'existence d'un bienfaiteur polonais, non loin de là. J'ai rencontré un grand monsieur du nom de Miroslav Angelic. Il a créé un jardin botanique et une gamme de produits biologiques grâce à l'amour de sa grand-mère qui lui avait appris à cueillir des herbes médicinales. J'ai donné un atelier de lampes solaires à une trentaine de participants qui ont glissé dans leur pot de soleil des mots d'amour et des fleurs à offrir en chemin. Avec Bigoudi et Lovski, on a filé vers la Hongrie. À Budapest, j'ai rencontré un danseur de ballet classique auprès de l'Opéra National de Hongrie. Un japonais de 24 ans qui nous a offert une danse improvisée dans un parc public. Il s'est même joint à une jam organisée par quelques amateurs de musique tahitienne. La joie, c'est d'improviser, c'est de composer avec ce qui vient à nous. C'est de faire un tableau avec les crayons gris ou de couleur que la vie nous donne. J'ai traversé la Roumanie et la Transylvanie. Un matin, en me réveillant, j'ai vu une femme SDF qui dormait recroquevillée sur un banc, les pieds nus, maigre comme une brindille. Je lui ai offert un café chaud et un croissant, un repas à bord et quelques vêtements. J'ai tenté de rallumer son étincelle de vie, celle qui nous permet de percevoir la beauté en soi. Je lui dis que, comme les étoiles, elle était unique dans l'univers. Mais on ne peut pas faire gagner un joueur qui a décidé de quitter la partie. Il n'est pas toujours bon d'intervenir dans le libre arbitre des autres. Parfois,
il est nécessaire de tomber pour apprendre à se relever. Minodora a encore passé une bonne nuit à bord de Bigoudi, mais elle n'a rien voulu d'autre. Peut-être qu'un peu d'amour aura déjà suffi à abreuver son âme. À Bucarest, une jeune femme a toqué à la porte de Bigoudi. Elle avait eu un gros coup de cœur pour mes joyeux dessins. C'est ainsi que j'ai rencontré Sarah, une jeune éducatrice sans emploi et sans domicile fixe. Je lui ai appris à monter quelques lampes solaires et lui ai donné un coup de pouce avec la cagnotte de la joie. What is happening now, the process from when I met you till now, is completely amazing for me because the things that are happening is exactly what I've been dreaming for the last, let's say, year and a half, when maybe I can say it's been the worst period of my life. This is exactly the things that I was dreaming of. These little things that you have now brought to me. 2 ans plus tard, j'ai appris que Sarah avait mis au monde un beau bébé et qu'elle vivait heureuse avec son compagnon dans une petite maison à la campagne. En route pour la Bulgarie, j'ai fait une escale sur la tombe d'une amie qui était décédée suite à un cancer il y a 5 ans. Pour lui faire plaisir, j'ai été rendre visite à sa mère de 85 ans qui s'occupe seule aujourd'hui de son petit-fils autiste. Mon carton à pizza était si grand qu'il ne passait pas la porte de leur minuscule appartement. Cela faisait 25 ans que je ne les avais pas revus. Nous avons réalisé que l'amitié et la joie se vivent et se perpétuent, au-delà des frontières physiques, au-delà de la mort. En roulant, je réfléchis beaucoup à cette humanité que j'aime, malgré nos errements, notre égoïsme et notre violence. Je crois que l'homme continuera à se perdre tant qu'il remplacera son savoir inné, sa sagesse universelle, par les opinions des autres, l'asservissement et le divertissement, tant qu'il se détournera de cette terre qu'il a vue naître. En chemin, j'ai fait sonner le klaxon de Bigoudi pour faire sourire ceux que je croise. Je distribue des coucous ou des chocolats aux cantonniers ou à la police. Je m'émerveille de tout, même de la petite abeille qui vient s'abreuver à une fleur. Je remercie la terre pour son abondance et je lui demande pardon de faire partie de cette humanité qu'il exploite abusivement. Je vis dans le moment présent, je ne pense ni au passé ni au futur. En fait, il m'arrive de ne pas penser. Alors, l'intelligence de vie peut enfin se faufiler à travers mon esprit pour me rendre souveraine. Demain, ça se construit dans ce qu'on ressent ici et maintenant. Et c'est bien pour cela que je veux donner de la joie, pour offrir sur le champ du miel au corps et à l'esprit de ceux que je croise. Et peut-être alors des secondes de douceur à leur avenir. Moi je trouve super chouette de voir ça de marquer sur un véhicule qui traverse la France et d'autres pays. Je suis vraiment, mais c'est génial. C'est génial, c'est ça génial. Vous, ça vous met en joie de voir ça? Ah bah carrément, mais on peut pas être autrement qu'en joie quand on voit ça. Oh mais vous me faites chaud au cœur, monsieur. Mais non, mais c'est vrai, c'est tellement agréable de voir ça. Mais il y a tellement de gens qui font la tête pour un oui, pour un non, que de voir ça, et ben c'est bien. C'est très bien. Moi je suis super heureux de voir ça. Hein, vraiment très content. Après la Bulgarie, je suis partie pour la Macédoine. Grâce à de jeunes bénévoles européens que j'ai pris en stop. Ils donnaient un coup de main à un jeune Macédonien qui retapait la maison de ses ancêtres pour en faire un éco-village. Ah, les éco-villages, ils poussent comme des champignons à travers toute l'Europe. Les nouvelles générations veulent mettre leurs dons et leur savoir-faire au service de la planète. C'est la génération de l'entraide et du respect de l'environnement. Bocce, I'm here because I believe like people should be free to live life like this, more independent, more simple. And... That's why I want to help people like you because I want to be able to build this kind of community in the future as well. I want to build something meaningful with you and for you. Vrce, I'm here because your project represents for me the example that this is possible, that you can gather people that you didn't know before just on a voluntary basis to do something not for yourself but for the community.
Bigoudi a roulé jusqu'en Albanie pour prendre le bateau et débarquer en Italie. En Toscane, j'ai rencontré un prêtre bouddhiste. Il aide des gens en difficulté à reconstruire leur avenir en retapant des maisons abandonnées, un peu à leur image. Il médite en tailleur comme Bouddha ou en se mettant à plat ventre devant la figure du Christ. Puis j'ai rendu visite à un grand maître florentin de la peinture qui m'a ouvert les portes de son atelier. Lui, c'est la joie par l'art, en se reliant à l'esprit de Léonard de Vinci, de Raphaël et de Jésus-Christ. Il dit que les gens aujourd'hui sont trop pressés pour se pencher sur une icône. Questo uccello si accorge del passaggio di questa persona e si domanda: ma chi sarà? Chi è? E così lo facciamo anche noi. Chi sarà? Chi è? Dove va? Sa compagne m'en a bouché un coin aussi. Le matin même, elle venait de serrer dans ses bras, à la descente d'un camion pour transport d'animaux, des dizaines de vaches qui partaient à l'abattoir. Elle faisait cela aussi souvent que possible, pour que quelques bêtes quittent la terre, en emportant avec elles un peu d'amour des humains. Après, ma joyeuse caravane a progressé vers la Suisse. Je me suis dit que notre planète était la plus belle école dans l'univers pour expérimenter l'amour dans ses zones d'ombre comme dans ses lumières. Avec un peu d'affinage, de patience et de bons outils, on peut ressentir partout la hauteur de l'existence quand on se laisse guider par la meilleure version de nous-mêmes. Être vrai et maître de son destin, c'est la meilleure manière de s'entraider. Je suis une petite goutte dans l'océan, mais je fais ma part. Nous sommes déjà en automne. Je fais un crochet par la Suisse avant de finir mon voyage par l'Espagne et le Portugal. Alors que je campe au bord du lac, j'aperçois une femme qui danse sur une petite plage. Elle est tessinoise d'origine égyptienne et elle se nomme Samagayed. Je l'invite à bord de Bigoudi. Elle me raconte qu'elle danse pour tous les peuples du monde. Bring you joy in life? To be in contact with myself. It means to be in contact with life. It means to accept life as it is. So when I accept life, even when I can't really smile, then in that moment the gift appears. Because I could transform the difficulties in opportunities. So it's like life is telling me, just change behavior, just change a movement, try to find another way. Je prends la route pour Madrid, où j'ai été invitée à participer à un forum sur la paix. Je raconte comment, alors que je participais en 2010 à la première marche mondiale pour la paix et la non-violence, j'ai rencontré l'ancien preneur d'otages de mon père, alors ambassadeur de Suisse en Colombie en 1984. J'ai raconté comment notre éteinte avait effacé en un instant toutes les différences, toutes les identités, bourreaux, victimes, suissesses, colombiens, guerriers, roses, gentils, méchants, etc. Pour ne faire plus qu'un seul cœur qui bat à l'unisson. My father, he must be very happy from where he is. À Tolède, je me suis joint à la musique d'un joueur d'harmonica pour faire danser les gens au pied d'un escalator. À Cordoue, j'ai pleuré d'émotion dans la mosquée cathédrale, qui a su résister à 8 siècles de guerre et de conquêtes dévastatrices. Contrairement aux habitudes des armées victorieuses qui rasaient depuis l'Antiquité les édifices culturels de leurs ennemis conquis, ici, les bâtisses se sont ajoutées les unes aux autres, dans le respect de la diversité culturelle des occupants comme des occupés.
À Séville, j'ai croisé la route de Roberto, qui s'était brièvement échappé de son asile psychiatrique, où il m'a dit qu'on l'avait placé parce qu'il aimait un peu trop les couleurs. Parfois, j'ai l'impression qu'on se trompe de fou. Au Portugal, j'ai rencontré Joaquim, un citoyen de Caldas d'Arenas, qui depuis 30 ans, tous les jours, sans exception, offre et prépare bénévolement 2 repas par jour pour des personnes vulnérables de sa ville. Nazaré, vous savez, cette fameuse plage très prisée par les surfeurs du monde entier, j'ai fait la connaissance d'Alexei, un jeune vagabond russe qui voyageait à pied depuis 6 ans avec son chien Scooby. Provisoirement, il vivait dans une tente au bord de la mer, caché dans la pinède. Il gagne quelques pièces de monnaie par jour en lisant dans le mar de café. Je ne fais que passer par Saint-Jacques-de-Compostelle. Je préfère ne pas m'éterniser devant les ors de la cathédrale pour me rendre plutôt à Fisterra et confier mon âme de pèlerin de la joie au grand océan bleu. Après quelques jours de contemplation, je reprends la route pour la Suisse où je suis attendue pour le repas de Noël avec Alphonse de Berger, notre 55e nommé de la joie. Une soupe à la courge avec un peu d'aubépine macérée dans de la liqueur de pomme. C'est dans le silence d'une bergerie sous les étoiles que s'achève mon incroyable odyssée de la joie avec 56 nominés, plus de 40 000 km parcourus, 500 publications et plus de 100 documentaires sur la chaîne YouTube de Joy for the Planet. Cette pêche miraculeuse n'aurait pas été possible sans le soutien et la confiance de centaines de bénévoles et de donateurs enthousiastes. Qu'ils en soient ici profondément remerciés. Bouger, puis respirer. Je... Enjoy for the planet. Mais si tu tires comme ça, bah, il va taper contre un autre. Voilà. J'ai compris que traverser et sublimer nos peurs, c'est bâtir une passerelle entre les hommes. C'est pour moi la seule manière de réharmoniser notre vie sur Terre, de se libérer de nos chaînes et de s'ouvrir à d'autres mondes. C'est par la conquête de nos véritables origines que tout devient possible et sans limite. Je n'ai aucune idée si ce que je fais est bien ou non. Tout ce que je sais, c'est que c'est ainsi que je veux vivre ma vie et offrir ma part de gratitude à cette planète miraculeuse. Rien n'est plus important pour moi que de saupoudrer de la joie où je peux. Pas pour être quelqu'un de bien, mais parce que je ne pourrais pas faire autrement. Vivre sa vie sans interférence ni contrôle extérieur, c'est peut-être le meilleur moyen de fusionner avec sa propre lumière. Être en joie, c'est sentir que l'on est à la juste place à chaque instant et s'en émerveiller. Parcourir le monde, déguster les secondes, s'assurer qu'elle est ronde, cette terre féconde. Dissiper la souffrance, réinventer la transe,
se jouer de l'errance, supprimer l'intolérance. Yeah, yeah. Parcourir nos vies, s'embrasser à l'infini. La pureté de nos heures, chacune de nos humeurs. Traverser l'enfer, faire le chemin à l'envers. Il faudra bien qu'un jour on sache sauver l'amour. Cette joie qui est en tout, cette joie qui est en toi, cette joie qui nous rend fous, aussi un peu parfois. Cette joie c'est toi et moi, sans tristesse ni combat, cette joie nous portera. Parcourir l'humour pour te donner chaque jour, des perles de rire attachées à ton sourire. Savoir qu'on n'a rien mais tellement dans nos mains, construire l'avenir de nos futurs souvenirs. Cette joie qui est en tout, cette joie qui est en toi, cette joie qui nous rend fous, aussi un peu par... Qu'est-ce qui te rend joyeux? Mon petit ventre, tu vois. Sans tristesse ni combat, cette joie nous portera. Parcourir le ciel, pouvoir te donner du temps. Découvrir l'essentiel, précieux chaque instant présent. T'inviter au voyage parce qu'il en vaut la peine. Vivre de partage tout en n'étant pas si sage. Cette joie qui est en tout, cette joie qui est en toi, cette joie qui nous rend fous, aussi un peu parfois. Cette joie c'est toi et moi, sans tristesse ni combat. Cette joie nous portera là où l'horreur n'existe pas. Cette joie qui est en tout, cette joie qui est en toi, cette joie qui nous rend fous, aussi un peu parfois. Cette joie c'est toi et moi, sans tristesse ni combat. Cette joie nous portera. Ha 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 ha!